Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 14 novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Alors je viens vers vous, pourquoi? Alors déjà je vais vous lire la phrase du jour. Je vois des rayons d'or d'un archange balance. Ceci est une phrase, un dicton, je veux dire, Edmond Henri Crisinel. Et puis nous allons voir les 365 jours de méditation en espérant que le Zoom va marcher. Donc le 12, voilà, je n'étais pas présente. Ces temps-ci, vous ne vous sentez pas à l'aise, les yeux fermés pour méditer. Gardez les ouverts et jouez de temps en temps sur le fait que de les fermer durant quelques secondes pour comparer votre ressenti. Et donc après, nous avons 13, donc hier. Pour favoriser votre confort, au cours d'une méditation en position assise, desserrez vos vêtements au niveau de la taille et porter des habits amples. Voilà, il faut être à l'aise. Et enfin, en ce 14 novembre, lors d'une balade en forêt, à l'automne, ouvrez grand vos sens. Et puis que c'est vrai que les forêts sont belles à voir. Vous avez des couleurs chatoyantes. Vous avez des couleurs chaudes, etc. Hein, voilà ce qu'on vous dit donc aujourd'hui. Lors d'une balade en forêt à l'automne, ouvrez grand vos sens. Ça, c'est très important ici. Donc, voilà. Alors, hier, c'était mon anniversaire. Donc, je vais remercier certaines personnes. Voilà. Donc, d'abord, je vais remercier... donc comment dire, NN. Donc, merci d'y avoir pensé, c'est gentil. Je dis merci aussi à la Belgique. Coucou. Et puis à Nanouchka qui est toujours aussi présente, etc. Ensuite, j'ai remercié donc des membres de ma famille aussi sur Facebook, mon Facebook personnel. Et des amis de longue date. Alors je vais commencer par les amis que j'ai connus plus ou moins en premier. Alors je remercie donc Daniel. Daniel est une amie que j'ai connue chez mes grands-parents, donc je devais avoir 6 ans, 7 ans, donc ça date de loin. Et puis comme je vous l'ai dit, nous nous sommes retrouvés grâce à Facebook, voilà, aux réseaux sociaux quand même. Parfois les réseaux sociaux font de belles choses aussi et nous avons toujours gardé contact et nous nous sommes revus, mais là c'est vrai que ça fait très longtemps que nous ne nous voyons plus. Donc merci à Daniel, voilà, où j'allais chercher le pot avec du lait de la ferme, hein, voilà, qui à l'époque il y avait donc la grand-mère et puis la maman. Alors que je me trompe pas. Alors, je remercie aussi donc Maria, Maria, où nous nous sommes connus donc à l'âge de 20, que je ne dis pas de bêtises, 24 ou 25 ans, dans la coiffure. Et donc, voilà, c'est une amie de longue, longue date, hein, hein, puisque j'ai eu 62 ans hier. Je remercie aussi donc Marie. Aussi, nous nous sommes connus aussi, il me semble bien avant Maria, hein,
Donc Marie, je remercie aussi Marie. Marie, je te fais un coucou puisque je t'ai au téléphone. Je remercie Louloute aussi. Je remercie Brijou. Hein, nous nous sommes connus aussi très tôt dans la coiffure aussi. Brijou, Brigitte, merci infiniment. Je remercie aussi donc Esprit de Lumière. Donc on a fait connaissance bien plus tard. Et puis voilà, c'était un vrai bonheur d'avoir eu aussi en cam ma fille aînée avec mon petit-fils me souhaitant mon anniversaire. Et puis ma plus jeune fille, hein, où je suis mamie aussi, qui me l'a souhaité, etc., etc. Donc j'espère que je n'oublie personne. Et Bulle Ma. Merci infiniment. Donc voilà. Alors, vu que j'ai encore énormément mal à mon genou, j'ai rendez-vous jeudi chez le médecin. Et comme ils ne veulent pas m'opérer, là je vais un petit peu lever le ton en disant qu'on ne peut pas laisser souffrir les personnes, etc., etc. J'ai téléphoné pour une prise de sang, je vous avais parlé de grève. Donc je baisse, hein. Je vous avais parlé de grève, donc en fin de compte, on m'a fait comprendre que les labos d'ici, alors je ne sais pas si c'est partout en France ou dans quelques secteurs, eh bien sont en grève, donc lundi, mardi et mercredi. Donc quand il y a urgence, on peut venir et on envoie. Mais bon, si on vous dit au téléphone que c'est pas certain et que tout ça que ça arrive, si c'est pour fausser la prise de sang, c'est pas la peine. Donc voilà, donc il y a grève dans ce secteur ici, au niveau des labos. Donc j'avais parlé de grève, hein, vous voyez, il se passe des grèves un petit peu de partout. Hein. D'accord? Alors je viens aussi pour soutenir aussi les partages de Sabine, qui se fait toujours attaquer. Donc il y a toujours des attaques, comment dire, dans les réseaux sociaux. Voilà. Ça continue, ça continue. Quelque part, j'ai envie de vous dire aussi les peaux plus loin ti, plus loin sien, se bouffent entre eux, d'accord? Mais quelque part, ils continuent leur plan-plan, hein? Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à aller voir, si vous le souhaitez, sur YouYou. Je crois que c'est Gisèle Cartemancienne, justement, qui montre quelque chose qui existe bien au niveau du plan-plan. Alors, il y a le premier, mais je pense que ce n'est pas marqué le premier. Et vous avez le plan 2. Et là, vous allez rester sur les fesses pour certaines personnes. Donc, voilà. Alors, comme je souffre énormément de mon genou, je ne peux pas faire parler les oracles, c'est pas possible. Puisque cet après-midi, je devais aller faire quelques courses, etc., avec une amie. Et hier, je n'ai pas pu justement aller voir cette amie qui fait partie d'une harmonie, qui joue de la musique. Et ça se passait dans une église, dans un petit village dans le secteur, à un quart d'heure, 20 minutes. Je n'ai pas pu y aller. Et sincèrement, ça se passait dans une église. Elle m'a fait écouter des extraits. C'était super beau. Voilà. Et je ne connaissais pas cette église dans ce petit village et elle est magnifique. Elle a pris une photo aussi de Sainte Marie, Marie qui est en face avec nous. Et je vous le partagerai dans les réseaux, pas les réseaux sociaux, oui, je vous partagerai ceci, cette photo où elle a rogné ce qu'on voyait deux personnes. J'arrive pas à trouver les mots tellement que j'ai mal. Ne m'envoyez pas dans communauté. Voilà. Donc des fois, je passe pas mal de choses dans la communauté, mais je vois qu'il y a très peu de personnes où il y a certaines choses qui ne leur parlent pas. Donc il y a toujours des attaques sur les réseaux sociaux. Voilà, ça continue, hein. Donc je vais plus dire je suis en colère, nanana, voilà. Donc oui, quelque part, je soutiens toujours. Comment dire, les partages de Sabine. Voilà, parce que là, ça va encore beaucoup trop loin, comme d'habitude.
Rappelez-vous, je vous avais dit que je voyais des mouvements, des mouvements, etc. Eh bien, nous sommes dedans. Et j'avais vu il me semble que je l'ai dit depuis longtemps, des peuples qui vont se soulever. Alors, il y a déjà des peuples qui se soulèvent, d'accord? Après, en ce qui concerne ce bateau qui a atterri à Toulon, il y en a qui sont pour contre, qui sont pour, et d'autres qui sont contre. Donc, moi, j'ai envie de vous dire personnellement, la Terre appartient à tout le monde. Et j'aurais envie de vous dire, pour comprendre une personne, il faut se mettre à sa place. Il faut être peut-être aussi passé par où la personne est passée. Donc, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas assez de travail partout dans la France, etc., etc. C'est dur à trouver déjà pour nous, hein. Et c'est vrai qu'après, qu'est-ce qu'ils font de ces personnes-là? Ben, ils sont dans la rue. Hein, ils sont dans la rue. Donc, la terre appartient à tout le monde. Et pour se mettre à la place de ces personnes-là, si éventuellement il se passerait quelque chose en France, il y a certaines personnes qui auraient les moyens, partiront ailleurs. Donc, seront accueillies par une terre peut-être inconnue ou connue, et puis il y aura un accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut pas être dans le jugement. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est vrai qu'actuellement, on passe une période encore difficile, il y a des personnes qui sont encore pas bien, moralement, mentalement, et peut-être que ça retombe sur le physique aussi. Donc il faut se mettre à la place d'autres personnes. Vous voyez bien qu'en Afrique, ils ont plus d'eau, etc. Et pourtant, là-bas, il y a des trésors. C'est ce qu'on appelle ces pierres. Il y a plein de pierres là-bas. D'accord? Donc, je dis ça, je dis rien. Voilà. Après, on parle toujours de Cray-Cray, etc. Mais il y a d'autres pays qui sont en guerre. Hein, pourquoi qu'on n'en parle pas autant? Parce qu'en Cray-Cray, eh bien, si vous voulez, c'est pas un pays qui est bienveillant, moi je vous le dis tout de suite. Peut-être il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire, mais c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui sont contents parce que Poupou, soi-disant, s'est retiré. Mais il reviendra. Je peux vous dire que c'est une certitude, il reviendra. Après, il faut écouter, comme on dit, les deux sons de cloche. D'accord? On doit écouter le Kremlin et on doit écouter l'ours. Voilà. Et après, c'est à vous de faire votre petite sauce et de prendre ce qui résonne en vous. C'est assez complexe, hein? Mais la Cray-Cray, il y a beaucoup comment dire, de personnes malfaisantes. C'est vraiment l'ombre de l'ombre de l'ombre. D'accord? Après, ceci, j'en ai déjà parlé depuis un certain temps, assez rapidement, parce que des fois, je m'étale pas trop sur un sujet. Je m'étais posé la question aussi, s'ils n'étaient pas tous de mèche. On va me traiter de hein, concon, plot-plot, nanan, etc. Mais il y a de quoi se poser des questions. Hein, d'accord? Ce que je vous avais dit aussi, ce que je voyais aussi entre trompette, hein, on va l'appeler comme ça, aux USA, et le bidon, je vous avais dit que ce soit l'un ou l'autre, ils seront remplacés peut-être par des plus gentils, mais toujours des personnes toujours dans l'ombre. Hein. Je vous ai cité un exemple. Le véreux, l'ancien sinistre, eh bien, il est toujours présent puisqu'on l'a mis en place au niveau du porte-parole. Et l'ancien porte-parole, on l'a mis ailleurs, etc., etc., etc. Je vous avais dit que c'était une grande toile d'araignée, hein, que ça allait être dur à retirer tous ces petits filets de toile d'araignée. Donc ça fait plusieurs temps que je dis aussi de faire attention, de mettre un petit peu de nourriture de côté, de l'eau, on ne sait jamais.
Et comme je vous avais dit, si au niveau de la date de péremption, ça ne sera pas perdu, ça sera mangé ou ça sera bu. D'accord? Donc je vois vraiment des peuples qui se soulèvent. Alors il y a déjà des personnes qui se bouffent sur des plateformes, sur YouYou, mais à l'extérieur aussi, hein. À l'extérieur aussi, il ne faut pas le perdre de vue, hein. Il y a un conflit qui s'est installé aussi entre la France et l'Italie. D'accord? Donc, il y a eu plusieurs migrants qui datent qui sont venus dans certains pays pour être quand même pour mieux vivre, hein. Donc, voilà. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Espagnols, et je vous parle d'années encore bien loin, loin en arrière. Et comme je vous avais dit, j'ai discuté, j'ai échangé avec une amie. Ça faisait longtemps que l'on avait ce plan-plan devant nos yeux. On a voulu nous les faire partager à travers des films, à travers même des dessins animés, des Simpsons et bien d'autres films depuis fort longtemps. Et malheureusement, on a endormi les personnes. Il y en a qui étaient plus éveillés. Davantage éveillé le voile qui était retiré de les yeux depuis longtemps, et d'autres qui ont le voile levé de leurs yeux, et il y aura toujours des personnes qui auront le voile devant les yeux qui n'y verront rien. Mais quand il y a des mensonges qui sont trop gros, je pense que certaines personnes se posent aussi donc des questions. D'accord? Donc, nous avons passé cette période difficile il y a 2 ans. Et là, nous passons encore un autre cap. Et ceci va durer un certain temps. D'accord? Ça va durer un certain temps avant de passer à autre chose de meilleur. Donc, voilà ce que je vois depuis un certain temps. Et je vous le dis sincèrement, ça commence à devenir anxiogène. Même quand je fais parler les cartes, quand je suis toute seule et que je ne veux pas partager, il y a des choses que je vois qui sont anxiogènes et j'ai pas envie. Et quelque part, ça bouffe, ça vous ronge, ça bouffe. Ça devient trop anxiogène, comprenez? Donc les gens sont toujours dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente d'un sauveur. Mais le sauveur, c'est nous-mêmes. On doit se sauver nous-mêmes. Hein? Tout en gardant la foi, c'est très important, tout en gardant sa petite flamme intérieure et de bien comprendre ce qui se passe un peu de partout dans le monde. Donc rappelez-vous, je voyais des mouvements, je l'ai dit depuis longtemps, je ne vais pas ressortir ces petites cartes, ces oracles, etc. Je vois des peuples qui vont se soulever. Voilà, donc il pourrait se passer certaines choses aussi. Voilà, ça, sans être négatif. Négatif, donc, pardon. Mais tout le monde, la crécrène crie victoire vis-à-vis de l'ours. Voilà, on va l'appeler comme ça. Hein, ou Ussie. Eh bien, moi, je vous dis que non. Vous verrez par la suite. Donc, comme je le dis, il faut toujours entendre deux sons de cloche. Hein, et c'est à vous de faire votre propre opinion. Hein, vous avez votre propre libre arbitre de penser, d'analyser, de faire des recherches, etc., etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je le redis encore, je vous invite à aller voir sur YouYou. D'ailleurs, je pense que Gisèle, je crois que c'est Gisèle Cartomanciel, va arrêter aussi. Voilà. Elle explique tout ceci et elle vous montre par ordi plan-plan numéro 1 et plan-plan numéro 2. Comme vous savez, je suis obligée de parler comme ça puisque nous n'avons plus le droit à dire ce que nous pensons, ce que nous voyons. Dès qu'on dit des choses qui sont invraisemblables, eh bien, on nous prend pour des concons, ploplo. Alors que non, c'est pas du tout ça. Donc je ne sais pas si parmi vous, si vous allez voir ce partage de vidéo, si vous avez des laboratoires qui sont en grève. Hein. Donc j'ai téléphoné ce matin
Et puis du coup, on aurait pu éventuellement venir demain, mais après on m'a laissé dans le doute en disant que c'était pas sûr, que après, si le truc de sang il traîne, ça peut fausser donc les résultats. Donc j'ai préféré attendre et comment dire et du coup j'ai pris rendez-vous à domicile entre 9h et 9h30. Voilà. En plus, je vous le dis sincèrement, l'infirmière que j'ai eue a été désagréable, agressive. Les gens deviennent agressifs. Pourquoi? C'est via tout ce qui se passe, etc. Donc, ils doivent recevoir plein de coups de fil, hein, ces infirmières. Et quelque part, ils en ont un petit peu ras le pompon, quoi. Mais bon, c'est pas une raison de parler d'être agressive ou agressive avec. Avec des personnes, la clientèle. Voilà. Donc j'en suis à 20 minutes, hein, presque 25. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Oui, de temps en temps, je fais parler des oracles et ce que je vois, c'est y a du positif, mais il y a surtout du négatif. Voilà. Voilà. Hein, nous passons dans une transition, comme je vous avais dit, hein, depuis très longtemps. Nous avons un pas dedans, mais il y a toujours cette ombre qui est là. Et pour nettoyer cette grande toile d'araignée, il va falloir du temps. Voilà. Alors toutes les personnes qui parlent de ceci se font attaquer, etc., etc. Ceux qui ont plus d'abonnés, des grandes chaînes, on va dire, une grande communauté. Donc voilà, je vois des peuples qui vont se soulever, ça commence déjà un petit peu dans certains pays, etc., etc. D'accord? Donc voilà, c'était important de vous le dire. Je vous avais dit que fin d'année, début d'année, ça va être quelque chose de costaud, hein? Donc voilà. Donc je crois que c'est tout, à part si j'avais noté certaines choses. Alors oui, alors on va dire oui, c'est facile de dire ça, d'accord. Mais rappelez-vous, je vous avais parlé de tsunami, d'accord. Je vous avais parlé de séisme, vous savez, la Terre qui bouge, hein, qui bouge, et qui aurait beaucoup de choses qui allons ça, beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce qui est climat, le climat, etc. Tout ce qui est sismique, etc., etc. Ça allait bouger, ça allait s'accroître. Et donc j'ai appris aussi un séisme de magnitude, je ne sais plus de combien, j'ai pas eu le temps de tout noter de ce qu'on m'a dit. Il y a eu une alerte aussi au tsunami. Voilà. Il y a eu aussi donc une explosion en France, d'accord, via cette lame de l'oracle Osaka, où je vous disais qu'il y a des gens qui allaient respirer des choses toxiques. Donc, je ne sais pas où c'est qu'a eu lieu cette explosion en France, mais c'est des produits toxiques. Donc, quelque part, c'est la pollution de l'air encore, et c'est la pollution de l'eau aussi. D'accord? L'air qu'on respire. Hein, vis-à-vis de cette explosion qu'il y a eu donc en France. D'accord? Alors, je ne sais pas où, s'il y a des personnes qui peuvent m'aiguiller, me le dire. Pourquoi pas, je ne suis pas contre. Hein. Donc voilà. Alors on vous dit que cette immigration vont être accueillies dans un centre ou des centres peut-être de vacances luxueuses, mais que vont-ils devenir par la suite? D'accord? Donc il manque déjà du travail, parce que quand on vous a dit il y a quelques années en arrière, vous traversez la route, vous trouvez du travail, c'est faux. C'est faux. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de trouver du travail. Eh bien, c'est pareil, ces personnes que l'on accueille, malheureusement, ils vont être, hein, comme on voit à Paris, les tentes et tout ça, ou ailleurs, etc. Ben, quelque part, ils sont encore à la rue. Et il y a aussi, donc, en France, des personnes qui sont aussi donc à la rue. Et ça va devenir de plus en plus difficile au niveau de l'énergie, de l'inflation, de la nourriture, d'acheter de la nourriture, etc., etc.
Je vois personnellement pour une personne seule, à chaque fois que je fais quelques petites courses, je suis étonnée du prix qu'il en ressort. Alors j'imagine les familles nombreuses, catastrophiques. Donc voilà. Donc encore des preuves. J'avais sorti la carte du monde, je vous l'ai dit, ça allait s'accroître, etc. Donc il y a bien eu donc un séisme de magnitude, je ne sais pas combien. Donc s'il y a des personnes qui peuvent me le dire. Alors je ne sais pas si c'est au Tonka, je ne sais pas. Comment dire? C'est la terre qui se purifie, qui fait un sacré nettoyage et ça a toujours existé, hein. Malheureusement. Et puis alerte au tsunami aussi, hein. D'accord? Donc bah écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire. Bien, si je reviens, ce sera pour vous faire partager des choses que j'aurais fait des recherches. Après, comme je dis tout le temps, on en prend, on en laisse. Voilà. Et je trouve que les gens deviennent vraiment agressifs et agressives. D'accord? Et c'est vrai que quand on est mal dans ses bottes, dans ses baskets, je dirais, eh bien, tout ce qui arrive, on le prend, voilà, on est dans l'agressivité, etc., etc. Dans la colère aussi. On est dans la colère, dans l'agressivité, etc., etc. Donc, il est très important de garder la foi, important de garder sa petite lumière intérieure et de toujours avoir des vibrations hautes. Parce que quelque part, à travers les médias, on cherche à vous vampiriser, à vous faire baisser vos énergies, à vous mettre complètement à terre. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire le contraire, il faut contrecarrer tout ceci. D'accord? Parce que vous allez encore apprendre certaines choses qui vont amener cette crainte, hein, cette peur, cette crainte. D'accord? Mais en attendant, il faut savoir qu'en ce moment, ils se bouffent un petit peu entre eux, hein, ces malfaisants. Hein? Si parfois je les appelle les reptiliens, c'est que voilà, je ne vais pas trop en parler parce que j'en ai déjà parlé vaguement, mais bon, il y a des gens, ils vont dire, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes à entendre certaines choses. Je ne sais pas si c'est la bonne phrase qu'il faut dire, mais c'est ce que j'ai vu, hein, voilà. Il y a, comme je l'ai dit, des peuples qui viennent d'ailleurs, qui sont venus d'ailleurs et qui sont déjà sur notre belle terre, hein, qu'on a abîmée depuis très longtemps, que ça soit dans l'eau, dans l'air, sur terre, etc., etc. Il y a encore quand même des bouts, hein, il y a encore des bouts, comment dire, il y a encore de beaux endroits. Je vais dire ça comme ça avec mes mots. Il y a encore de beaux endroits. Il y a aussi des vaisseaux sauts qui sont aussi au-dessus de nous, hein. Il y a une guerre, comment dire, sur Terre, entre guillemets, mais il y a aussi une guerre en haut contre ces malfaisants. Voilà. Des peuples venant d'ailleurs que peu de personnes croient, et pourtant on en parle sur RMC Story, hein. On vous explique certaines choses, on vous prouve A plus B que ceci, que cela. Mais donc voilà. Donc il y a une guerre en haut, il y a une guerre en bas aussi, hein, sur Terre. Puisque, je le répète, notre roitelet nous avait dit que nous étions en guerre et que la bête était là. D'accord? Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis je remercie, je fais un coucou à la Belgique, Nanouchka, NN, NB, voilà, qui sont souvent
présente ou présent dans les commentaires. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser, je vais augmenter le son. Voilà, c'est une musique des anges et des archanges qui peut faire du bien. Je vous fais des bisous.